Go. Bonjour la population altogovéenne, je suis M. Wilfried Bilot, habitant de Franceville, natif de Franceville, plus connu sur le nom de H2O, président du Cercle des jeunes artistes altogovéens. Aujourd'hui, nous venons pour revendiquer le fait que l'artiste altogovéen est encore une fois de plus opprimé du fait que nous recevons M. le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui, dans la belle province du Haut-Ogooué, mais les artistes altogovéens, les locaux, sont écartés de toute organisation. Pour ça, nous sommes passés par toutes les formes légales afin de crier et de décrier ces mots-là qui minent la culture altogovéenne. Nous sommes passés par les délégués, nous sommes passés par la direction de la culture au niveau de la province. On a reçu des promesses, mais des promesses jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas tenues. Les organisateurs, une fois de plus, passent à côté d'une situation qui pouvait réunir la jeunesse, réunir les artistes sur un même podium. Jusqu'à quand la division chez nous dans le Haut-Ogooué? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous sonnons cette sonnette d'alarme afin que les choses changent. On a parlé de transition, on parle de changement de mentalité. Je demande aux organisateurs de ce spectacle de changer de position, car nous, artistes du Haut-Ogooué, voulons aussi participer à ce spectacle afin de montrer à notre aîné de quoi la population artistique altogovéenne est capable. Merci. Génération Oise aujourd'hui, Génération Oise demain. Peuple gabonais, nous sommes ici dans la province du Haut-Ogooué, précisément dans le premier arrondissement. Tous ces jeunes que vous voyez derrière moi, ce sont les artistes de la province de Franceville-Massoukou. Ils ne vivent pas à Libreville, ils vivent ici, à Franceville. Aujourd'hui, je suis allé chez mon petit frère, c'est le premier créateur d'un studio musical, précisément à Potos, à Franceville, pour ceux qui connaissent Potos, le marché de Franceville. Et ce studio date, je ne sais pas comment il tient, mais il tient. Et alors, mon passage dans la ville, je me suis dit, je vais aller retrouver mon petit frère, qu'il appelle les autres artistes, voir comment on peut tous aller pester là-bas, à la soirée de la musique. Mais ce qui ressort de lui est incroyablement incroyable. C'est triste et déplorable. Ces vieilles habitudes que je vous demande de mettre dans des placards, vous les faites sortir encore dans ces placards que je vous ai demandé d'aller les mettre là. Aujourd'hui, Oligui est le président du changement. La vision de son excellence biscuitaire Oligui Nguema, c'est de mettre les Gabonais à l'aise, de unir le peuple gabonais. C'est de donner le travail à la jeunesse gabonaise. C'est de donner la maison où dormir au peuple gabonais. Mais vous, avec vos vieilles habitudes là, que je vous ai demandé de mettre dans les placards là, je vous répète encore, ici c'est le Haut-Ogooué. Personne n'a le monopole. Dans cette province, dans Franceville, le premier arrondissement, le deuxième arrondissement, le troisième jusqu'à tous les arrondissements de Franceville, personne n'a le monopole, personne n'est plus à Togovin que personne. Alors, la personne qui a reçu l'argent pour organiser la soirée de la musique dans le Haut-Ogooué, je m'adresse à toi. Tu te reconnais. Il faut réparer cette injustice. Il faut que tous ces musiciens puissent prester. Moi-même là, je dois aussi prester. Mais là, si je ne preste pas, il n'y a pas de problème. Mon temps de prester arrivera pour la grâce de Dieu. Mais ces enfants sont aussi dans le Haut-Ogooué. Ce sont des musiciens. Aussi, ils ont un talent à faire voir, à faire connaître. Alors, par le canal de ce spectacle-là, beaucoup de Gabonais pourront le découvrir. Il faut arrêter le vampire et la sorcellerie. Je ne veux pas la marmaille, s'il vous plaît. Celui qui soutient Oligui, celui qui est vraiment avec Oligui, doit bien faire les choses. Aujourd'hui, on parle du Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, Mwanda, Munana, Bakumba, etc. C'est Bisabe Ngana, Boué Singana, Moutoumomo. Bisabe Boué Singana, Moutoumomo. Oligui est le président de tout le Haut-Ogooué, toutes les ethnies du Haut-Ogooué. Il n'est pas seulement le président d'une ethnie bien spécifique. Il faut arrêter le boucan. Arrêtez la marmaille, s'il vous plaît. Si vous aimez le président, devenez des exemples du nouveau Gabon. Devenez les exemples de la nouvelle ère que nous respirons. En bon entendeur, salut. Merci. Les gars, vous avez quelque chose à dire?
Président. Tout a été dit. Voilà. Ouais. Par mes deux grands frères ici présents. Donc, on réclame juste la justice. Un point, c'est tout. Pas très la bien. Justice. Très bien. La justice. Voilà. Mais vous êtes quand même d'accord que Oligui soit présent? Oui. Très bien. À bon entendeur, salut. Nous sommes ici à France 1 Massoukou.